Salut, bienvenue sur testmorunning.com. Bon, une semaine après ma sortie de 5 km, je remets ça. Alors, j'ai dû caser ça entre mes écrits, puisque j'ai quand même pas mal d'écrits à faire. Mais bon, avec une très bonne organisation, on y arrive. Et la volonté. Bon, alors, bilan. Donc, j'ai mis une semaine avant de recourir, donc pas assez par rapport à ce que j'ai en tête, mais je le fais quand même. Et je vais augmenter les séances au fur et à mesure. Donc là, c'était un 5 km avec des accélérations. Parce que je fais des demi-tours pour essayer d'avoir le moins de pentes possible. Et forcément, les demi-tours font perdre un peu de temps. Au niveau des statistiques, et comme j'ai un Galaxy, un Samsung Galaxy S10 Plus, pour donner la config exacte, forcément, c'est moins précis qu'une montre. Au moment où je vais être sous les 5 minutes au kilomètre, par exemple, j'accélère, ça s'affiche pas, ça me passe par exemple le 4e kilomètre, et à partir de là, je me retrouve à 5 minutes au kilomètre, 5,05 par exemple, à 3 minutes 8 au kilomètre, ce qui pète totalement le rythme et forcément qui enlève un peu de qualité. Bon, je sais que ça sera la prochaine priorité, je le sais, j'ai eu d'autres postes de dépenses à prioriser, c'est comme ça, c'est la vie. À moins qu'il y ait un généreux sponsor qui m'aide avant que j'achète ce montre, ça c'est cool. Mais là, voilà, j'ai été pris au dépourvu quand la bise fut venue. Voilà, un petit peu de culture générale, s'il vous plaît. Donc là, 5 km et un petit peu de récupération en marchant, et en gros 600 mètres de récup. En récup, et je devais le faire en courant, la récup, j'étais parti pour ça, et puis je me suis dit, il va falloir que je fasse une vidéo. Ça fait un petit moment. Donc voilà, je vous oublie pas, je suis là. Le site internet, j'ai d'autres priorités, dans le sens, c'est pas que derrière, c'est non prioritaire, mais une voiture, on va attendre, on va attendre, on va attendre. C'est pas que derrière, c'est pas une priorité, c'est que j'ai vraiment, 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 en écrivant beaucoup, j'ai vraiment le temps qui est short. Et c'est pas exponentiel, je peux le couper en 4. D'autant plus avec les petits, avec tout ce que j'ai à faire, avec l'écriture, les écritures. C'est tout ce que je vais mettre en place. La journée faut que 24 heures, même si elle faisait 48 heures. Bon, je pense que je serai au taquet. Ça sera optimisé au maximum de mes possibilités actuelles même. Bon, pour l'instant, bon, mais voilà, c'est comme ça. Ça changera au fur et à mesure. Comme ça, ben, moins 7, moins 8. Donc, et même quand j'étais à 3, bon, sur Gironde, forcément, très très rare les mêmes températures avec l'hygrométrie qui est différente, ça change tout. Et moins 3 là-bas, c'est moins 10 du côté de 3. 3 c'est un froid sec. Et dans tout l'est de la France, quand je prospectais, que j'étais responsable commercial, bon, voilà, ça c'est une autre époque. Mais là, voilà, dans le Bourbonnais, du côté de l'Allier, en Champagne, je sais pas dire, ça c'est à 3, en Auvergne. Et effectivement, ça pique et apparemment ça fait. Enfin, apparemment, c'est sûr. Il y a 10 ans qu'il n'a pas fait aussi froid. Là, alors on passe de moins de 12 le matin à 5 ou 6 degrés. Forcément, il ne faut pas s'étonner que, ben, il y a encore des microbes qui traînent et qu'on chope la crève. Là, il pleuvait tout à l'heure, enfin, plutôt un peu de la neige fondue, on va dire, entre les deux. Bref, je ne vais pas faire mon météorologue. Mais voilà. Donc, malgré tout, je vous souhaite bon courage. Essayez de vous entraîner, enfin pas essayez, faites en sorte de vous entraîner. Le principal, eh bien, allez courir, faites du sport, surtout faites du sport. Ne trouvez pas la moindre excuse ou prétexte, parce que ça c'est le confort à la flemmardise. Et une fois que derrière le pli est pris de l'autre côté, j'en fais des phrases compliquées aujourd'hui, c'est plus difficile de s'y remettre. Et en général, quand on dit je vais m'y remettre, c'est qu'on s'est arrêté. Je dis ça, je dis rien. Allez, sur ce, à bientôt, à moins d'une semaine. Je vais essayer de faire une deuxième, voire une troisième sortie. J'ai bien dit essayer, mais en attendant, voilà.
Voilà, je récupère mon rythme au fur et à mesure. Voilà. Bon, mais écoutez, à bientôt sur testamentrunning.com et faites du sport, allez courir!